Ils sont plus d'une centaine d'officiers et sous-officiers de la police congolaise à avoir été promus au grade supérieur au titre du premier trimestre 2018. Colonel, lieutenant, commandant, capitaine, adjudant, chef de police ont tous reçu leur insigne ce 8 janvier à Brazzaville. Le directeur général de la police, Jean-François Ndingue, qui présidait la cérémonie, a félicité les promus tout en leur exhortant à plus d'adore au travail et à rester des modèles de la police congolaise. Officiers, sous-officiers promus du premier trimestre 2018, au nom du commandement de la direction générale de la police, je vous félicite et je vous exhorte de maintenir ce cap avec le noble objectif de viser l'excellence. Un moment de joie et de reconnaissance pour ceux-là même qui se sont distingués durant l'année écoulée. Je suis dans une grande joie, une très grande satisfaction parce que la relation chef-subordonné a fonctionné. J'ai reçu les ordres, j'ai exécuté et je suis récompensé. Voilà ma santé. Effectivement, c'est une émulation. C'est aussi un sentiment de lourde responsabilité. Puisque vous êtes élevé en promotion, puis également sur vos épaules pèsent des lourdes responsabilités. Jean-François Ndingue a également saisi l'occasion pour faire le point de l'opération Hypercute lancée durant les fêtes de fin d'année. Les populations, à travers les médias, ne tarissent pas d'éloges. Remercions la police pour la réussite. Hypercute 2017, qui leur a permis d'avoir des fêtes de fin d'année et de nouvel an parfaitement sécurisées. Après la lecture du texte de nomination, l'allocution du directeur général de la police, le défilé est venu mettre un terme à cette cérémonie.